Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 9e chronique normale paranormale pour un Freaky Friday autour de la peur des virus. Alors je vous ai trouvé pas mal de choses qui sont liées à l'idée de virus ou pandémie, mais là on va être surtout sur le normal ou paranormal, me direz-vous, toutes les prémonitions sur le Covid que on a pu entendre et voir relayées sur la toile. Alors la première chose que j'ai trouvée, c'est qu'apparemment il y aurait un livre, et c'est Kim Kardashian, je crois, qui avait sorti l'info. Après on a dit que c'était une infox, mais bon, on va le reprendre ici. C'était que dans un livre qui était écrit par Sylvia Brown, intitulé La fin des temps, prédictions et prophéties sur la fin du monde, paru en 2012, cette femme aurait écrit vers 2020, une sévère maladie de type pneumonie se répandra à travers le globe, attaquant les poumons et les bronches, résistant à tous les traitements connus. Alors, prophétie ou fake news, apparemment ce ne serait pas vrai. Autre fake news prophétique, alors pour nous, les prophéties les plus connues dans le style prédiction, ce sont celles de Michel de Nostradamus, c'est-à-dire Nostradamus. Donc là, on a écrit une prophétie dans le style de Nostradamus. Elle dit ceci: il y aura une année jumelle, 2020, d'où surgira une reine qui viendra de l'Orient et qui étendra une plaie dans les ténèbres de la nuit sur un pays aux sept collines et transformera en poussière le crépuscule des hommes pour détruire et ruiner le monde. Ce sera la fin de l'économie mondiale telle que vous la connaissez. Donc, l'année jumelle, donc 2020, la reine, c'est parce que le mot corona, c'est voilà, lié, ça a la même étymologie que la reine, la couronne. L'Orient, c'est la Chine. La plaie, c'est donc le virus. Et c'est pas un pays aux sept collines, mais le pays aux sept collines, c'est l'Italie. Cependant, ce n'est pas une prophétie de Nostradamus, tout simplement pour les avoir lus, et qui, je crois pas qu'il utilise trop ça dans sa syntaxe. Il n'aurait pas mis un pays aux sept collines, mais le pays aux sept collines déjà. Et transformer en poussière le crépuscule des hommes. D'un point de vue du sens, c'est pas son style, parce que transformer en poussière et crépuscule, c'est comment dire, c'est trop proche au niveau du sens, donc en fait c'est trop redondant. Et dans le style de la prophétie, on va à l'essentiel, on synthétise, donc il faisait plutôt attention à ce genre de truc. La fin de l'économie mondiale telle que vous la connaissez, c'est juste une phrase qui ne fait pas du tout époque de Nostradamus.
Donc voilà, c'était une fake prophétie, bien essayé. Hein. Mais dans la rythmique, ça peut. Et encore, équi, c'est équi, ça marche pas. Et puis, dans la syntaxe et le sens, c'est pas du tout son style. Ensuite, autre chose dont je voulais vous parler, donc dans ce petit point normal-paranormal, dans un documentaire tourné entre juin 2017 et juillet 2020, on remarquera la fourchette temporelle quand même de 3 ans, ce qui est quand même énorme. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe déclare à propos de la manière dont il perçoit la politique de santé et de recherche, je me dis peut-être que dans 5 ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Ça y est, c'est la réincarnation de Nostradamus, l'ancien Premier ministre. Alors, en fait, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis. Alors là, la date la plus éloignée, c'est juin 2017, dans le passé. En fait, je suis désolée de ne pas vous faire frémir de voir, wow, on a un Premier ministre qui avait des pouvoirs surnaturels. Eh bien, en fait, en 2017, on était déjà très au courant que les pandémies mondiales pouvaient surgir et être un gros problème. Et c'est juste un aveu très simple que ça a été mis un peu de côté dans les politiques. Voilà. Alors, une prophétie qui est indiscutable, hein, la prédiction des Simpsons de 1993, qui prédit un virus arrivant de Chine par livraison de produits de consommation. Ce qui veut dire qu'il y a un dessinateur dans la team Simpson qui a un don de médiumnité. Ou 1993, on en était où des pandémies? Bah, c'est vrai que c'était pas trop le sujet phare des populations. Après, peut-être qu'il avait accès à des lectures un petit peu underground et que voilà, ça lui a inspiré cet épisode. Mais en tout cas, ça met toujours un petit peu de doute. Autre chose qui est citée comme prophétique, Fred Vargas, qui a été interviewé par Thierry Ardisson et qui, dans son émission en 2006, avait prévu la Covid-19, bon, sans l'appeler Covid-19, elle parlait d'une grippe aviaire, elle décrit tous les problèmes qu'on a rencontrés pendant la crise Covid, à savoir le manque de masques, la transmission du virus par les postillons, les muqueuses des yeux, etc., etc. Donc ça fait un peu froid dans le dos, on se dit, mais mince, alors comment est-ce possible que elle sache autant de choses et que ça corresponde pile poil à ce qu'on vit nous en 2020. Bon, en fait, c'est une projection d'épidémie de la grippe aviaire et pour cela, elle propose la création d'une cape au lieu de masque, gants, machin. Elle proposait carrément la création d'une cape de la tête aux pieds. Enfin bon, c'était drôle, mais en même temps, j'ai eu du mal à en rire parce que 2 ans, c'est il n'y a pas si loin que ça, quoi. Donc, c'est peut-être un peu trop tôt. On a l'ancien ministre de l'Environnement, Yves Cochet, qui est devenu collapsologue, qui dit dans une interview que la moitié de la population actuelle va mourir d'ici 15 à 20 ans. Il a dit ça il y a 2 ans. Il parle notamment de morts par épidémie, en plus de tous les risques climatiques et économiques. Très rassurant. Ancien ministre de l'Environnement. Donc voilà. En 2006, le 24 janvier 2006, l'animateur télévision Arthur parle de la grippe du poulet, dite la peste aviaire, qui serait venue de Chine et qui est venu de Chine, pardon, ça c'est certain, c'est pas peut-être. Et en fait, ça l'a tellement perturbé qu'il s'est documenté sur le sujet. Et en fait, dans cette émission,
Il évoque des problèmes comme le stock de masques, le stock de médicaments nécessaires qui est insuffisant. Enfin voilà, il s'est tellement penché sur la question que ce qu'il dit, c'est tout ce qu'on va vivre dans la pandémie de Covid 14 ans plus tard, quoi. Donc ça peut faire très prophétique, mais en fait c'est la pandémie, l'épidémie pardon, de 2006 qui l'a fait réfléchir à qu'est-ce que je ferais s'il y avait une pandémie, et il s'est informé pour être le mieux préparé à ce scénario-là, quoi. Et en fait, bah, quand on a fini de l'écouter et qu'on sait que c'était en 2006, on se dit, mais est-ce qu'il est clairvoyant ou est-ce qu'il nous fait une crise de parano carabine? Et je suis sûre que les gens ont dû penser ça à l'époque, en fait.